Et salut tout le monde, c'est Silver Luigi et on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween sur Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Donc c'est un jeu d'horreur sur Nintendo, non pas de Nintendo, qu'est-ce que je raconte, sur Wii U. C'est la première fois que j'en vois un, je vous jure, un jeu d'horreur sur Wii U. Alors avant de commencer, je peux vous dire, je suis vraiment, vraiment stressé là, j'ai peur de voir des screamers. Parce que c'est la première fois que je joue un jeu d'horreur tout seul en plus. Alors ce que je vais faire, voilà, je prends ça. Et puis je regarde pas l'écran, je regarde dans le gamepad. Alors je vais faire juste option pour voir. Déjà rien que dans le truc de l'écran, j'ai peur qu'il y ait des screamers, là je vous jure. Alors, commande de la caméra, vibration. Oh non, pas de vibration. Oh quoi que si. Ok, son affichage et son activé. Non, langue audio, moi je veux du français, s'il vous plaît. Ah ok, bah je vais mettre japonais. Hein. Ok, ça c'est bon. Oh là la punaise, j'ai peur. Allez, on y va. Je vous jure, j'ai tellement peur que je regarde dans le gamepad et pas dans le... La luminosité, c'est bon. J'espère que vous entendez bien le son, hein. Ouais, je pense que vous entendez, hein. Apparence profonde, Miyu Inazaki. Dans la région du mont Ikami, les gens disparaissent mystérieusement sans laisser la moindre trace. Miyu Inazaki est l'une de ces personnes. Elle se réveille dans un vieux bâtiment à moitié inondé. Waouh, ça fait peur là, ça commence. J'espère qu'il n'y aura pas de screamer dès l'arrivée là, parce que sinon, franchement. Oh punaise, qu'est-ce que c'est que ce machin là? Là, on dirait des cheveux. C'est des cheveux, hein. J'espère que c'est des cheveux, hein. Oula, je vous jure, j'aime pas les scènes lentes comme ça, là. Ah, c'est notre héroïne, je crois. Bon, je vous laisse profiter. Wow. Punaise, les graphismes sont excellents, mais... J'espère qu'ils vont pas se lever, franchement. Regardez-la, elle est terrifiée. Oula, le truc vibre. Le gamepad vibre, j'aime pas ça. Le gamepad vibre, je vous jure, il vibre, là, il vibre. Oula. Oula, j'ai peur. Oula. Non, restez couché. Oh punaise, mais qu'est-ce que... Il faut que je sorte d'ici. Bah évidemment, il faut que tu sortes de là. Punaise. Oh non, restez couché s'il vous plaît, restez couché. Non. Une porte, vite. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Wow, qu'est-ce que je peux rien faire là? Ça fait quoi si je vais vers elle?
Ça me fait rien. Oh, ça, le gamepad vibre. Oh, j'aime pas ça, je déteste ça. Ok. Donc sur le gamepad, là, vous pouvez changer l'écran, hein, vous avez ça. Puis vous pouvez faire ça. Hein. Moi, je vais prendre la carte. J'espère qu'il n'y aura pas de screamer, hein, je vous jure. S'il y a un screamer, là, je balance tout par la fenêtre. Parce que j'aurais hyper peur. En plus, imaginez, vous avez un visage moche. Oh là là, moi, les screamers. Bon, les screamers, au début, ça me fait hyper peur. Oh non. Non. Non, 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 pas, non, pas vers la lumière, s'il te plaît. Oh non! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille, vite, 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 vite. Maintenez ZL enfoncé pour courir. Ok. Cours, 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 cours! Non! Oh non! Non, n'ouvre pas. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Hey, j'espère qu'il n'y aura pas ça. Hein. Elle a des visions, j'ai l'impression. Elle a des grosses visions. Pour vous retourner, non. Qu'est-ce qu'elles me veulent? Oh non, pas les cinématiques, j'aime pas ça. J'ai un peu peur là, je peux vous avouer. Oula, il y a un long couloir, j'entends. J'entends du bruit là. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en vais, moi, hein, je m'en vais, je m'en vais. Oula, oula. Vite, la porte! Oui, non! Et voilà, je suis enfermé. Bravo, moi, hein, bravo, franchement, bravo. Oh là, j'ai peur, j'ai peur. En fait, c'est pas l'ambiance qui me fait peur, c'est j'ai peur qu'il y ait des screamers en fait. Non, pas vers le cercueil, je veux pas, je veux pas. Non, non. J'ai peur. Y a rien qui se passe en plus. Il va s'ouvrir d'un seul coup, vous allez voir. Pas de screamer, s'il vous plaît, pas de screamer, pas de screamer, pas de screamer. Hey, des cheveux, oh non, ça me rappelle The Grudge, oh non. Qu'est-ce que c'est? Non, The Grudge, non, pas ça. Avec ses cheveux là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sous sa jupe? Pas à l'écran, ne fonce pas à l'écran, s'il te plaît, ne fonce pas à l'écran. Non plus, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Ne fonce pas à l'écran, s'il te plaît. C'était quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'était ça? Mon Dieu! Attendez, hein, je reviens. Appréciez la cinématique, je reviens juste. Attendez, je vais juste faire pause. Ah, je peux même pas. De trois personnes, pardon. Yuri, Ren et Miu.
On dirait des zombies. Il s'agit d'une terrifiante histoire surnaturelle. Projet Zéro, la prêtresse des eaux noires. Des eaux noires, attention. Et c'est fini là ou quoi? Chapitre 1, traces éphémères. Alors je tiens à vous préciser que c'est que la démo du jeu, hein, donc avant de... C'est juste la démo. Donc, parmi les habitants des villages situés au pied du mont Ikami, une certaine capacité unique a été transmise à travers les âges. Cette capacité appelée déchiffrage des ombres permet à son utilisateur de voir l'ombre ou la trace d'une personne perdue dans des circonstances étranges. C'est assez similaire à la psychométrie pratiquée ailleurs. Yuri Kozukata accompagne Hisoka Kurosawa, une femme capable de déchiffrer les ombres jusqu'à une auberge abandonnée se trouvant sur le mont Ikami. Sentant que Yuri pourrait-elle aussi devenir douée en déchiffrage des ombres, sous une tutelle convenable, Hisoka l'emmène en mission. Oh yeah, mon dieu, j'ai pas envie de faire ça, franchement. Et bon, c'est Halloween. Et c'est mon tout premier jeu d'horreur, donc. Mais bon, j'ai trouvé la parade. Je regarde le gamepad et non pas l'écran de la télé, en fait. Comme ça, c'est plus c'est petit, moins ça fait peur. D'accord. Je monte un peu le son. Ah là là. Ah, un petit suicide. Ah, elle voulait faire un petit suicide. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Yes. Une caméra thermique. Encore, en gros, c'est des enquêtrices en fait sur le paranormal, ok. Waouh. Ah non, droit devant vous, pour activer le mode photo. Oh non, pas ça, non, je déteste ça. Oh non, et c'est comme ça qu'on peut voir les... Oh non. D'accord. Ok, donc c'est l'appareil photo qui permet de voir le paranormal, ok. Et qu'est-ce que je dois faire là? Je dois prendre ça? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois prendre? D'accord, donc je dois photographier en fait des ronds que vous voyez pas en fait, ils sont là. Ah mince, où est-ce que je suis? Attendez. Là vous voyez, vous avez des ronds là, donc je dois la photographier. Et je dois photographier les trois ronds simultanément, mais j'arrive pas. Je n'arrive pas.
En plus, il y a des vibrations, punaise, ça me fait encore plus peur, ça. De toute façon, je vais couper le. Non, je vais pas rentrer là-dedans, là, je suis désolé. Non, viens avec moi, s'il te plaît. D'accord, là on a une carte, ok. Sur le gamepad on a une carte, hein, vous ne voyez pas l'écran. Oh yeah, j'ai peur, je vous jure, j'ai peur. Bon bah on va rentrer, hein. Il n'y a pas de screamer, j'espère, hein. Oh yeah, allez, mode photo. Je reste un peu à. Oh punaise, elle m'a fait peur, elle m'a fait peur. Bon là je vais prendre ça, écoutez. Ok, bon, allez, je rentre. C'est ça, oui, t'es avec moi, mais. Ok, bon, là, je vais aller. J'ai peur, y a pas de fantôme ici. J'ai peur, je vous jure. J'ai vu un truc là-bas. J'ai vu un truc bouger. Oh, je vous jure, s'il y a un gros screamer là, un gros screamer des familles, oh là 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 là, j'ai vraiment pas. En plus, le jeu est. J'ai remarqué les jeux vidéo sont un peu plus immersifs que les. Non, sont carrément en fait aussi immersifs que les films en fait. D'accord. Mode photo, y a rien. Ok, bon. Je vais continuer. Oh là là, pas de screamer, je vous en supplie, pas de screamer. Non, pas l'eau. Pas l'eau. Pas l'eau. Par contre, je sais pas où je dois aller en fait. C'est ça le problème. Là, on a un cul-de-sac, donc je vais pas aller par là. Oh! Punaise, elle m'a fait peur. Oh là là, c'est pas possible. Pourquoi tu me fais peur comme ça? On a la musique hein, qui est très joyeuse, on va dire. On fait rien. Ah, elle est vachement. Par contre, les graphismes sont vachement bien faits. Hein. Regardez. C'est très très bien fait. Coucou! Allez, doucement, doucement, doucement. Oh là là! Oh là là, ça sent le screamer! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! N'y va pas! N'y va pas! Aïe 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 aïe! Oh là, ça vibre! Ça vibre! Je suis sûr qu'il va se retourner tout d'un coup là. Il s'approche. Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est que c'est. Pardon? C'était elle? Wow! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, ok. C'était toi qui. Moi, je vais aller par là, hein. Allez, suis-moi. Il y a une lumière là-bas. Non, il n'y a rien. Déjà, à chaque fois que je me retourne, elle est là et elle me fait peur. Oula, en fait, j'appuie sur ZL pour courir, mais j'appelle pas ça courir, hein. Non, 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 non. D'accord. D'accord. C'est un peu comme un fantôme. D'accord. En gros, c'est comme une intuition en fait. Ok. Suivons l'ombre.
Désolé, j'ai éternué. J'ai éternué. Oula, je vous jure, là, je suis. C'est. Pas de screamer, hein. D'accord, je vous fais confiance. Pas de screamer, s'il vous plaît. Ah. Ah, faut rester appuyé. Et là, hop, screamer, là. Ok, alors. Un vieux livre poussiéreux a été laissé dans le couloir. Peut-être que quelqu'un l'a laissé tomber. Oula, oula. Alors, le mont Ikami. Ah non, bon, c'est un peu long, je pense. Hein. Bon, je vais quand même lire. Le mont Ikami. Si vous en avez marre que je lise, vous passez la vidéo. Hein, vous avancez. Le mont Ikami a longtemps été considéré comme un lieu saint. Des siècles durant, les visiteurs ont été attirés par ses nombreux hôtels sacrés et ses lieux de culte. Ses attributs naturels, tels que le pic du crépuscule et le bassin de purification, faisaient eux aussi l'objet d'une profonde vénération. La montagne était également populaire auprès des touristes et des alpinistes pour la beauté de ses abondantes eaux claires, ainsi que pour ses forêts ancestrales et mystérieuses. Les fidèles et les randonneurs pouvaient se reposer au manoir Leiru, une station thermale près du pied de la montagne. Elle est maintenant abandonnée, vide de tout visiteur. La montagne ne s'est jamais remise du glissement de terrain dévastateur qui l'a frappée il y a plusieurs années. La route menant... Vous entendez le bruit ? J'entends un bruit. La montagne ne s'est jamais remise, blablabla. La route menant à l'hôtel au sommet fut coupée et le paysage changea, altérant le flux de l'eau qui s'écoulait du sommet. Les routes en construction furent abandonnées et le manoir Ichiru fut enseveli sous les rochers, faisant de nombreuses victimes. Parmi les victimes du glissement de terrain se trouvait là la famille du propriétaire du manoir, ce qui entraîna sa fermeture. Ce fut la fin du mont Ikami en tant que coin touristique. La montagne devint alors un lieu de suicide notoire. J'entends des bruits de pas là. Mon Dieu, j'entends des bruits de pas. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous. Peut-être est-ce parce qu'il s'agissait traditionnellement d'un lieu où les mourants s'aventuraient, mais c'est désormais un lieu où les gens viennent mettre fin à leur jour. Par extension, c'est aussi un lieu intéressant pour les amateurs d'occultisme. Donc, pas pour moi. Je vous jure, j'ai entendu des pas, là. Ah, mais c'est elle, mais punaise! J'entendais des pas derrière moi, je me suis dit, ah, c'est, oulala, j'ai peur, et puis c'est elle. Elle ressemble beaucoup au fantôme là qu'on a vu en début de gameplay. Hein. Bon, allez. D'accord, c'est par là, je pense. Oh oh! D'accord, donc. Ouais, mais il est passé. Ah, j'ai raté. En fait, faut que je fasse apparaître le fantôme. Non, j'ai raté. Attendez. Attendez. Moi, j'ai raté. C'est pas grave. Comment on fait déjà pour prendre en photo? Ok, allez, on va suivre le fantôme, hein. Punaise, ça devient... Non, pas ramper, pas ramper, pas ramper. Oh là là, j'ai peur, je vous jure. Vous êtes gentil avec moi, hein, pas de screamer, s'il vous plaît. Hein. Ah, c'est par où alors? Où est mon ami le fantôme? Bah si, je vais même y aller alors. Oh, la porte est verrouillée. Non, pas la caméra. Ok, il faut utiliser la caméra. Alors, la caméra. Quand vous regardez autour de vous avec la caméra obscuria, vous la verrez réagir à certains éléments qui ne sont pas visibles normalement. Verrouillez-les et photographiez-les afin de révéler des endroits ou des objets avec lesquels ils ont un lien. Alors...
Là, comme ça, j'ai peur de voir un screamer. Donc, je vais faire comme ça. Elle ne réagit à rien. Oh, punaise, ça m'a fait peur, punaise, ça m'a fait peur. Alors, il me faut une petite clé. Ah, non. Ah, voilà. Photo psychique. Vous avez vu le crâne d'une petite fille là? C'est dégueulasse. De la lumière jaillit d'une armoire. Il y a une poupée avec le dessus d'une commode. Oh mon Dieu! Trouvez l'endroit représenté sur la photo. Il se trouve quelque part dans ce bâtiment. Pour afficher la photo à nouveau, ouvrez le menu principal et allez dans la section Souvenirs dans la catégorie Objets archives. Ok. Non, 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 viens avec moi. Non, 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 non. Faut que tu viennes avec moi, là, je suis tout seul. Y a un cadavre. Vous avez vu la même chose que moi, il y avait un cadavre, hein. Punaise, là j'ai peur là. En plus, je dois chercher un truc. Ok, c'est pas par là. Ça serait bien qu'ils mettent un peu de musique quand même, hein, parce que là, je peux vous dire que. C'est par là. Oh, il y a un truc qui brille ici. Non, c'est pas mal. Là, je retourne. Je vous jure, j'ai vu les pieds d'un cadavre. Quand pendant que je rampais, il y avait les pieds d'un cadavre. Attendez. Ok. Donc si c'est ni par là, donc ça sera par là. Pourquoi elle veut pas avancer? De quelle photo elle parle? Ok, mais pas, je dois aller par où alors si elle veut pas avancer? Il n'y a rien ici. Bon. Ouais, mais elle veut pas aller par là. Pourquoi? Je ne peux pas aller par là. Je ne peux pas aller par là. Là, 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 là. Là, j'ai du mal à m'orienter en plus. Non, là, il n'y a rien. Arrête de me regarder comme ça, tu me fais un peu peur là. En même temps, je regarde la carte, hein, vous inquiétez pas. Ok, donc pas par là, apparemment. Il fait de plus en plus sombre par contre. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ok, il n'y a rien par là. Ah, mais c'est une porte! Oh non, j'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. Oh mon Dieu! Ça sent le screamer là, ça sent le screamer. D'accord. Oulé, il y a une poupée là-bas. Ah, voilà le truc qui brille. Ok, j'ai plus qu'à retourner là-bas maintenant. Je te rejoins. Mais vous avez vu l'espèce de machin là? Coucou. Pas de screamer. Ah. Il y a un objet à prendre apparemment. Ok. Non, pas la caméra, s'il vous plaît, pas la. Ah, ici. Révélation. D'accord. C'est bon ou pas? Ah ok, d'accord. Comme ça, ok. Je sais pas si vous voyez ce que je fais à l'écran, mais... C'est bon ou quoi? Ah, un livre, excellent. Oula, pas de zoom, s'il vous plaît. Je demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oula, c'est calme, là, c'est trop calme, j'aime pas ça. Et on doit. Ah, faut partir maintenant, c'est ça? Ah oui, ah oui, ah oui. Bah, attends-moi. Et voilà. Sortir de la maison hein, avant qu'il se fasse nuit, comme elle l'a bien dit. Elle est là-bas, elle me laisse tomber en plus, c'est super. Pardon? C'était quoi ce bruit-là? Elle vient de fermer la... Mais attends-moi! Je partir d'ici. J'ai un peu peur de la suivre en fait. Ah. Oh. Y a-t-il quelqu'un? Wow! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Un zombie, un zombie, un zombie, c'est un zombie. Ah. Ah, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Lâchez-moi, lâchez-moi. Oh non, il est revenu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Tiens, prends ça la figure, faut que je trouve le photographie. Donc c'est sur cette bonne parole qu'on va se laisser ici. Donc n'hésitez pas, je sais pas si je vais continuer le let's play, mais en tout cas, pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter.
et à me suivre sur YouTube, donc vous abonner, et à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Sinon, bah, moi, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech, you'll shake and shudder in surprise.